Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est pas souvent que je fais des speed builds, mais j'ai été inspirée. En fait, j'ai commencé à vouloir m'exercer à faire une petite ferme, petite fermette comme ça. Et j'ai trouvé qu'elle avait plutôt une bonne tête. Et je me suis dit, bon allez vas-y, tant que t'y es ma cocotte, filme un peu pour les abonnés. Peut-être que ça leur fera plaisir d'avoir un speed build parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bon déjà... parce que je ne brille pas par mes constructions, hein. C'est sûr que les constructions passent au second plan par rapport au let's play. Pas parce que ça vous plaît pas, tout simplement. Après, je ne suis pas belle peintre, c'est sûr que ça aide pas. Mais puis surtout que j'ai envie d'être inspirée, j'ai pas envie de me forcer à faire une construction si je n'ai pas l'envie. Et surtout que il faut réussir à le faire assez rapidement et... sans aller dans tous les sens et pas mettre 10 ans et avoir 8 heures de rush parce que sinon qu'effectivement c'est un peu compliqué à compiler tout ça. Et puis cette petite ferme je l'ai faite assez rapidement. Vous allez voir, elle est quand même assez rustique dans l'âme, mais il y a tout le confort. Bon, il y a des endroits où c'est un peu exigu, mais c'est ce qui fait son charme au final. Essentiellement pour cette fermette, il faudra chien-chat, il faudra aussi île paradisiaque, il faudra cuisine rustique et bien sûr d'autres packs. Mais essentiellement vraiment j'ai utilisé beaucoup chien-chat, ne serait-ce qu'avec les fenêtres et aussi les espèces de décorations de poteaux que j'ai mis au-dessus. Pour le sol, j'ai préféré un bois un peu brut, un peu qui faisait vintage, hein, on est carrément là-dedans. Et du carrelage très très vintage. Et comme la façade était blanche, je voulais que ça soit aussi blanc par terre. Pour qu'on voit vraiment un joli contraste blanc et rouge d'extérieur, c'était plutôt sympa. Une fois n'est pas coutume, j'ai voulu faire l'extérieur, du moins l'extérieur m'est venu plus facilement avant de faire l'intérieur. Un petit jardin arboré, sans prétention, avec quelques petits endroits pour se prélasser et profiter du beau temps quand il y en aura. La petite fontaine évidemment, que j'aime particulièrement. Une table avec des bancs de pique-nique. J'ai voulu tricher et puis je me suis dit mais non, mais en fait on l'a déjà avec le parasol. Donc pourquoi m'embêter à vouloir construire un truc bizarre qui ne fonctionnera pas alors qu'on avait tout ce qu'il fallait. Il y a un petit coin jardin sur le côté de la maison, histoire de faire ce qu'on peut. Et des balançoires pour les enfants. Je me suis dit aussi que cette maison pouvait être une très belle maison de campagne. Pour pouvoir aller en vacances à la campagne. Est-ce que vous pourrez y aller une famille de 4 personnes. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire un peu de cloisonning, de mettre des clôtures, mais en fait, ça rendait pas bien. Et je voulais pas que la maison soit vraiment enfermée par une clôture. Du coup, j'ai laissé tomber. Et maintenant, j'arbore, je mets un peu de couleurs et de fleurs. Ah oui, donc du coup, pour avoir ces fleurs-là, il vous faudra aussi jardin romantique. Je trouve que si vous voulez faire des extérieurs, jardin romantique est vraiment le kit qu'il vous faut. Parce qu'il est, il regorge de jolies fleurs, vraiment, et toutes les couleurs et tout, ça vous fait une ambiance de dingue. Avec 2-3 fleurs, c'est vraiment... je vous conseille vraiment. Moi, je l'adore. La petite chaise pour faire son tricot.
avec le petit kit à côté, histoire de profiter, un banc pour discuter en famille, un autre banc devant les fleurs pour profiter du panorama. Et ici, finalement, je me suis dit, comme j'avais pas prévu l'espace à l'étage pour une salle de bain, et ben tant pis, on va faire vraiment une petite salle d'eau comme ça en bas. Et alors, la cuisine, vous allez voir, c'est encore pire. À la base, elle devait tenir sur ses 4 carreaux, et je me suis dit, ouais, non, c'est quand même minuscule, surtout que j'avais oublié le frigo. Pour le coup, j'ai voulu garder vraiment un esprit très rustique dans l'ensemble de la maison. C'est pour ça que vous avez des carrelages un peu datés. Donc celui des murs, c'est de monde magique. Celui du sol, c'est le jeu de base. Et comme c'est une maison un peu vieille, un peu rustique, et ben, y a eu quelques petits dégâts déjà. Donc vous avez droit à une petite tache un peu chelou dans la salle de bain. Et voilà la cuisine comme elle devait être, minuscule à la base. Et je me suis dit, bah oui, mais le frigo, je le mets où? Bon, bah voilà, hein, on va ragrandir un petit peu. Hein. C'est comme ça. Et puis, de toute façon, vous pouvez toujours prendre la maison et la refaire mieux. Hein, soit agrandir à la salle de bain ou faire simplement une cuisine dînatoire. Là où je mets la salle à manger. Mais c'est vous qui voyez. Du coup, cette maison n'est pas hyper meublée puisque ça reste un petit peu exigu dans certaines pièces, notamment dans la cuisine et la salle de bain. Mais j'ai quand même mis un minimum de décoration, je voulais pas trop en mettre. Je me suis dit que ça servait à rien, que quand il y en a trop, ben après on n'arrive plus à circuler, du moins les Sims. Du coup, j'ai vu quand même à la baisse, mais j'aime bien ce petit charme un peu rustique, avec dans des couleurs un petit peu bois, vert, beige, vraiment sympa. Des fois, quand je vois certains de mes speed builds, et je me dis, mais mon Dieu, même en accéléré, hein, je mets 10 ans à trouver un objet qui va me plaire. Je vois scroller, et je me dis, mais qu'est-ce que ça doit pas être intéressant? Je me dis que je devrais couper, et puis finalement, je le garde. Et je sais pas. Cette fois-ci, on passe au salon. Donc, pareil, je suis allée taper dans les salons de chiens et chats. Avec une espèce de pouf que j'ai mis devant un fauteuil pour qu'il fasse un peu un style de repose-pied, vous voyez. Hein, on s'imagine après une journée harassante se poser et s'allonger les petites gambettes d'après avoir parcouru et faire la randonnée un peu partout dans la nature. J'ai oublié d'imposer une cheminée et j'ai juste posé un conduit à l'extérieur pour que ça fasse joli et que ça donne du volume. Mais je n'ai pas rajouté de conduit à l'intérieur. Bon, on dira que c'est magique, hein, c'est les Sims, donc le conduit, bah, il passe dans l'épaisseur des murs. Le papier peint magnifique que vous voyez, il vient avec le kit paranormal, les lampes de mur avec monde magique, et cette toile, ça vient avec chien et chat, il me semble. C'est une toile que je mettrai souvent quand j'ai envie de décorer de façon un peu classique. Le vieux poste de télé est dans le debug de écologie. D'où le charme du rustique et dans son jus que j'ai voulu garder pour la petite fermette. Je pense que ce pack campagne qui arrive m'a fortement inspiré pour le coup, évidemment. Et en vrai, je l'aime bien cette maison, elle est vraiment mignonne et j'aurais envie de m'en servir pour effectivement des petites vacances à la campagne. Peut-être sur d'autres parties futures, on ne sait pas.
Première chambre à l'étage, c'est donc la chambre parentale, avec un lit. Classique, hein, classico-classique. Là, je suis allée taper dans les meubles les plus classiques du jeu de base. Dans les tons rouges, c'est clairement pas des couleurs que je fais d'habitude dans une chambre, parce que je trouve que le rouge est quand même assez agressif. Après, c'est ma vision, hein. Vous avez le droit de pas être d'accord, y'a aucun problème. Et bah, je me suis dit, bon, bah allez, vas-y, peut-être que tu peux rendre une chambre avec des coloris rouges quand même plus chaleureuse qu'agressif. Et je pense que j'ai réussi le pari. Donc, je l'aime bien cette petite chambre, elle est mignonne. Elle est cosy, elle est rustique, elle est dans son jus, bref. Tout ce que je voulais, quoi. Par contre, j'avais un souci au niveau des rideaux, puisque ça ne s'accordait pas sur la grande fenêtre que j'avais mise sur l'espèce de portée de deux carreaux. Donc je vais tricher en mettant des petits rideaux voiles. Mais effectivement, ce n'est pas les mêmes que les autres. La deuxième chambre, c'est une chambre donc pour deux lits simples. Des lits viennent avec le pack décorateur d'intérieur, la commode à vêtements magiques. Et pareil, j'ai voulu rejouer un peu le côté pouf pour regarder par la grande fenêtre, parce que c'est vraiment sympa, et qu'il doit y avoir une belle vue de là où ils sont. Du coup, cette chambre, elle est plutôt un peu bariolée au niveau des couleurs. Ça change, ça fait pas du tout typé garçon-fille, c'est carrément mixte, et puis même des adultes peuvent y venir. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai rajouté quelques petites choses qui montrent l'usure de cette maison. Qui viennent avec, bien sûr, si je ne m'abuse, soit chien, chat, soit vampire. Et voilà le petit rideau que j'ajoute pour faire style... Bah ouais, on a quand même mis un petit voilage histoire de quoi. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter avec la petite visite en photo de cette maison. Elle se trouvera dans la galerie, bien sûr, dès que possible. En attendant, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas le partage, le like, le commentaire, comme d'habitude. Des très gros bisous. À très bientôt à la campagne. Ciao, ciao.